Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, je vous prends que lundi parce que finalement c'est compliqué de tourner deux vidéos en même temps. J'ai jamais fait ça, j'ai pas souvenir. Et j'arrive pas à définir, ouais là maintenant il faut que je parle vlog, là maintenant c'est l'autre vidéo. Et du coup je vous ai déjà tourné des choses pour le vlog. Mais je n'ai pas fait d'intro, donc voici l'intro. Tada! Qu'est-ce qu'on est organisé, c'est fou. Alors déjà ce vlog, on va le commencer par une très bonne nouvelle. Nous avons eu la maison. Vous savez, la maison que le monsieur il m'a appelé, tout ça, tout ça. Bah on l'a eu. Ça s'est fait assez rapidement, comme je vous ai dit. Le monsieur m'a appelé, le lendemain Adrien a visité. Il a dit que c'était bon, enfin donc je lui fais confiance. et du coup c'est bon, on a la maison. Donc on emménage le 1er novembre, ce qui fait que je reste une semaine de plus ici. J'ai contacté du coup la personne pour la location meublée qu'on avait pris. Donc vous avez déjà signé un contrat et j'avais déjà fait du coup un versement d'avance, une sorte de caution, un truc comme ça, pour dire de réserver. Je l'ai appelée, elle m'a dit ben je sais pas comment on va faire. Moi si je trouve quelqu'un je vous rembourse et si je trouve personne bah c'est tout, faut que je garde l'argent. Ça m'est saoul, j'y vais pas. Du coup je dis à Adrien bah si elle garde l'argent, je lui dis que tout simplement moi j'y vais une semaine en fait, juste la semaine c'est du 24 au ah bah j'y vais du 24 au 1er, sinon il y a pas de souci, t'as personne. Bah voilà, pour essayer de voir si elle me ment ou pas. Je pense que je vais lui dire ça, je dis bah c'est pas grave, vous savez quoi, je vais quand même venir une semaine du coup. Ça fera une semaine à 300 boules, mais je viendrai quand même. Et là on verra si elle me dit s'il y en a un de libre ou pas. Évidemment. Si elle me ment ou pas. Enfin voilà, on va voir comme ça. Mais sinon nous avons la maison, alors elle n'est pas parfaite comme je le disais. Il n'y a pas de jardin. C'est le plus gros bémol pour moi qui avait, voilà, qui voulait quitter un appartement pour une maison pour avoir un jardin. Ok, t'as un appartement pour une maison qui n'a pas de jardin. C'est pas un jardin, mais en fait, elle est assez étrange, cette maison. En fait, du coup, c'est trois maisons collées, donc mitoyennes, qui appartiennent toutes au propriétaire. Et sur l'arrière des maisons, tu as une sorte de cour, mais totalement couverte, donc par des toits en tôle, avec des ouvertures, ben, avec des sortes de fenêtres Velux en plastique, hein, voilà. Ce qui fait que quand il va pleuvoir, ça... Qu'au ça. Et du coup votre fille il s'est entouré de parpaings, donc chacun a sa cour comme ça intérieure mais couverte avec des trucs de parpaings. Tu te dis bah en fait c'est bah, c'est dommage parce que ça pourrait vraiment amener un extérieur juste s'il enlevait les tôles, parce que la toiture c'est de, enfin si j'ai bien vu c'est sur map c'est de la tuile, donc je sais pas pourquoi il laisse ce truc là couvert. Je sais pas, est-ce que c'est pas un truc par rapport à la région qui devrait peut-être déclarer ou pas, s'il fait ça, je sais pas du tout, je sais pas du tout. Et cet endroit, du coup, on sait pas trop à quoi ça va servir, sachant que ça fait un peu plus de... Alors lui, il me dit 70 mètres carrés, quand j'ai vu en visio avec Adrien, moi je dirais 50 mètres carrés. Après, c'était en visio que je l'ai vu, donc peut-être que oui, effectivement, c'est plus grand, mais ça m'a pas l'air si immense que ça non plus. Mais enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui pourrait apporter vraiment un plus-value à la maison. Il pourrait mettre du coup le prix plus cher s'il en faisait au moins juste une cour. Tu pouvais faire un petit carré d'herbe ou quoi. Enfin bon voilà, écoutez. C'est juste ça. On est content déjà, ça nous fait mettre vraiment un pied là-bas. Bon Adrien, ça le fait rester une semaine de plus dans sa mini maison. Mais c'est comme ça, et moi ça me fait rester une semaine de plus ici. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Du coup j'ai un peu peur, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que Juju m'y a fait penser. Donc c'est la personne avec qui je parle qui a eu à peu près la même expérience que nous vivons actuellement avec Adrien, c'est-à-dire se déplacer d'une région totalement, voilà quoi, à plus de 300 km quoi, de chez toi. Et on en a un petit peu parlé, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, et je lui disais, bah, là ça va, toute seule là ça, parce que bah, j'ai quand même des choses à faire, il y a des moments où je m'ennuie quand même, j'ai des temps morts où je me dis c'est bon là les travaux, si j'y m'y mets trop rapidement, bah franchement là à la fin de la semaine j'ai plus rien à faire. Je me dis non, on y va petit à petit, tout le monde est en mode oh, tu verras, t'auras pas le temps, tanani nana. Écoutez, je ne sais pas comment je fais. Si je sais, j'ai des meubles que Ikea. Tant que ça se démonte en 2-2, c'est incroyable. Autant le montage est plutôt compliqué, autant là, vraiment, c'est très rapide. Il y a juste le petit meuble blanc de la cuisine qui me fait un petit peu peur avec tous les tiroirs, tout ça. Je sais pas comment on va faire. Adrien me dit on va le laisser monter. Je lui dis pas ça pour quand même de la place, on va voir. Mais oui, tout le monde me dit tu verras, ça va passer vite, nanana. Et là, la semaine, j'ai l'impression que ça fait déjà 2 semaines que je suis toute seule. Bon, voilà. Mais j'ai pas encore cette sensation, tu vois, vous voyez, de manque en fait au niveau d'Adrien ou quoi. Peut-être parce qu'on se parle aussi. Voilà.
Vendredi, samedi, c'était compliqué, il a fait des continus de 10h jusqu'à minuit. Voilà, le pauvre. Et avec quelques coupures, évidemment, avec quelques messages, mais voilà, on s'est vraiment juste parlé hier soir. Mais du coup, oui, la dernière semaine où en fait tout sera bouclé, j'ai envie de dire, la réservation du camion, les dates seront bonnes, enfin tout ça, je vais être là en mode. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, à part lire un petit peu, parce que je vais quand même garder quelques bouquins que je vais pas emballer. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la dernière semaine, j'y avais pas pensé, et elle m'y a fait penser en mode, la dernière semaine, vraiment, tu vois, en fait, c'est là où c'est le plus long, t'as vraiment hâte d'y aller, pas pensé à ça. Donc on verra ce que ça va donner. Mais écoutez, nous avons vraiment une maison, où on nous jette pas dehors au mois de juin, où on peut prendre tous nos meubles, donc déjà, c'est super. Bon, le vrai gros bémol, en fait, de cette maison, c'est que, bon, bah, c'est pas la maison en elle-même, c'est la région qui fait ça, c'est que... Tout ce qui est Wi-Fi, VDSL, je sais pas trop quoi, là, et fibre, enfin ils n'ont pas la fibre en Bretagne, je trouve ça incroyable. Enfin je sais pas, c'est extrêmement rare maintenant de vraiment ne plus avoir la fibre. Et forcément on choisit la région, et qui n'a pas la fibre? Ouais! Donc bon, je pense que plus tard, si on aime vraiment bien cette région et qu'on veut y rester et qu'on veut acheter quelque chose, là il faut qu'on ait la fibre en fait. Et je pense que le prochain logement, comme maintenant voilà on aura quelque chose... je pense déjà au prochain logement parce que je sais pas si on va rester. Enfin, vous voyez, je sais que ce sera pas notre maison idéale. En même temps, la maison idéale n'existe pas vraiment. Hein, voilà, parce que t'as toujours envie de bouger des choses. Mais est-ce que la prochaine maison ce sera une location? Est-ce que ce sera un achat ou quoi? Je ne sais pas. Vraiment, pour l'achat, on se laisse vraiment le temps avec Adrien. Là, on s'était dit. À un moment, on s'était dit ouais, bah, année prochaine. Puis, enfin, je réfléchissais, je disais non. Alors, c'est chiant de donner un loyer dans le vide, un petit peu, entre guillemets, dans le vide. Mais quand tu vois le niveau des prêts, les trucs des fous, ça donne pas envie d'acheter en fait. Et du coup, là on se donne plutôt 3 ans. Enfin, pour savoir déjà si la région nous convient vraiment, pas acheter pour dire d'acheter non plus. Enfin voilà. Voir si les boulots ça va, moi aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place qui sont différentes et du coup on veut vraiment se laisser le temps. Et le temps aussi bah, d'économiser aussi un maximum, hein, aussi de bien mettre de côté. Même si moi personnellement j'économise depuis que j'ai 16-17 ans. J'ai des sous du coup de côté, mais enfin, je les considère pas vraiment de côté à moi parce que pour moi c'est voilà, c'est pour une future maison, donc je ne les utilise pas ou très rarement vraiment. Mais c'est Adrien qui lui pêche beaucoup parce qu'il ne sait pas faire malheureusement d'économie et il place mal ses sous. J'en ai déjà parlé, mais enfin bon, c'est un sujet personnel, mais c'est plutôt lui qui pêche dans l'histoire. Donc je veux dire, en 3 ans, comme son salaire va augmenter, il va pouvoir peut-être quand même mettre au moins la moitié de ce que moi j'ai mis de côté, ce serait déjà pas mal pour voilà, faire un apport pour un prêt et tout ça, tout ça. Mais là, vraiment, c'est d'ici 2-3 ans, quoi, donc on n'y pense pas vraiment. Donc voilà, déjà on a une maison. On va pouvoir ensuite continuer les recherches petit à petit. On se donne au moins un an dans cette maison. Donc ce qui fait que je vais pas non plus... Enfin, on va pas s'établir à mort. Enfin voilà, donc on va voir. Donc déjà, bonne nouvelle. Sinon, côté lecture, j'ai donc fini hier matin... tranquillement. Le tome 2 du coup de La Maison Chapelier de Tamzin Marchand aux éditions Gallimard Jeunesse. Il est toujours aussi beau. Il est toujours aussi beau, effectivement, ouais. Bah écoutez, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. Je ne sais pas si vous avez lu ou pas le premier tome, si vous avez vu passer. Je pense que oui quand même parce que ça fait, on va dire, un petit bruit sur Bookstore quand même, parce qu'on est pas mal à quand même encore, en tant qu'adulte, lire de la jeunesse, apprécier ça. Et je suis très contente, vraiment, de pouvoir continuer à m'émerveiller avec mes petits yeux d'enfant, on va dire, sur de la jeunesse, et pas être tout le temps en mode terre-à-terre, ou enfin voilà. Évidemment qu'il y a des choses, beaucoup de choses que j'ai vu venir, je me dis c'est ça, 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 mais j'ai également été trompée sur pas mal de choses, donc moi ça me fait plaisir, je suis contente quand l'auteur ou l'autrice arrive un petit peu à me mener sur certaines choses par le bout du nez, en mode, bah t'as cru c'était ça, et bah non, c'était pas ça. Mais je pense que vraiment, en tant qu'enfant, donc ça c'est à partir de 10 ans, cette collection-là, les romans juniors, bah je pense que ouais, enfin jusqu'au moins 14 ans, tu peux te laisser totalement mener par le truc et en mode, enfin voilà, t'es vraiment dedans et enfin voilà, incroyable. Donc j'adore l'écriture de cette autrice, vraiment. Ça se passe dans un Londres, alors, on peut pas dire un peu sans âge, mais tu sais pas trop, je dirais que dans les années 1800 du coup, puisqu'on est encore avec les calèches et tout ça, avec les rois et les reines, enfin voilà. Et du coup, si vous ne connaissez pas, en fait, un univers un peu magique, puisque nous avons des maisons d'artisans qui fabriquent des choses, alors,
de base pour la royauté, même s'ils ont réussi petit à petit à pouvoir ouvrir un peu au public, c'est que voilà, en fait, le, je ne sais plus quel roi, je sais plus, dedans, avait peur en fait des artisans, que des personnes puissent comploter contre lui, donc il les a empêchés totalement de créer pour le peuple, et c'était que ses artisans à lui, et donc c'est resté un petit peu, mais petit à petit ça s'est un peu effiloché, ils ont pu quand même un petit peu plus ouvrir, mais ils ne sont pas totalement libres non plus, hein, et il y a pas mal de maisons d'artisans finalement qui ont fermé tout ça. Et les maisons d'artisans ne s'aiment pas entre eux. Donc on a les chapeliers, donc, qui fabriquent des chapeaux, qui est donc la famille de Cordelia. On a les horlogers, on a les bottiers, donc là c'est son copain Lulu à Cordelia, lui il fait partie de la famille des bottiers. On a les gantiers, on a les tailleurs, enfin voilà. Et tous en fait ils s'aiment pas trop, parce que pour eux c'est de la concurrence, c'est nani, c'est nana. Et en fait petit à petit, au fil des ans, vraiment un truc un peu ancestral de haine s'est propagé parmi ces familles. Et donc là on compte un petit peu sur les enfants pour essayer de réunir tout ça. Et du coup on a eu quelque chose dans le tome 1, on a attrapé le méchant, tout ça tout ça, mais il se passe quelque chose dans le tome 2 qui fait qu'on a une nouvelle quête, qu'on a un nouveau truc, et du coup c'était bien, je pense que ce sera tout, franchement il peut se clôturer comme ça pour moi, après s'il y a une suite je l'achèterai volontiers parce que j'aime beaucoup vraiment, mais je pense vraiment que ça peut se finir là, je n'ai pas regardé, enfin j'ai regardé plutôt sur Booknode, il n'y a pas l'air d'avoir de suite pour le moment, mais en même temps celui-ci est sorti l'année dernière, septembre l'année dernière, donc je sais pas du tout, mais franchement j'adore l'univers, c'est magique, c'est... Voilà, parce que oui, effectivement, donc les maisons des artisans, ils fabriquent des choses, mais dans ces choses il y a des choses magiques, certaines fleurs peut-être pour aider à dormir, pour avoir plus confiance en soi, pour... Enfin vous voyez, plein de choses comme ça, que tu vas rajouter dans les vêtements, dans les chapeaux, dans les chaussures, et qui font que les personnes vont se sentir un petit peu mieux en utilisant, voilà, ces accessoires. Mais aussi des fois que tu peux utiliser à contrario de à mauvais escient en fait. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, vraiment c'est une réussite cette série, je l'aime beaucoup, ça m'a fait du bien, vraiment. Moi qui étais des fois un petit peu, enfin, je sais pas, je l'ai lu rapidement, ça m'a fait du bien, je lisais ça le matin en me levant, enfin vraiment, c'est passé nickel, ça m'a remis un peu du baume au cœur, voilà. Et en même temps que du coup je lisais ça, j'ai donc fini le tome 2, non, je vous avais dit que oui, j'avais fini le tome 2 du Peuple de l'air, oui, mais j'ai lu aussi du coup le tome, enfin lu, plutôt écouté, le tome 3 du Peuple de l'air, je viens de le finir là ce matin, donc c'est ce que j'écoutais avec mes petits écouteurs quand je faisais les travaux, donc quand je ponçais l'enduit, que je n'ai toujours pas fini, mais à un moment en fait j'ai eu mal au tendon, donc j'ai un petit peu arrêté, oh petit papillon, et faut que j'arrête là, je suis vraiment, mon esprit s'évade. Il est parti. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, du coup, j'écoutais ça en même temps. Écoutez, cette saga est une réussite. Vraiment, il n'y a aucun tome où je peux dire « Là, c'était trop long. Là, je me suis ennuyée. Là, il y a ça qui allait pas. Oh, j'ai trouvé ça loufoque. » Non, en fait, je trouvais que tout était bien placé. Tout était vraiment où il fallait, quand il fallait. Et j'ai adoré vraiment les personnages, enfin, il y en a aucun que j'ai trouvé mauvais, enfin mauvais dans le sens aussi, il y a des méchants, mais il y en a aucun que j'ai trouvé genre faux, pas bien ou quoi que ce soit. Non, tout est hyper bien construit, l'univers est bien construit, il est là sans être trop compliqué tout ça, donc tu t'y repères facilement. Enfin non, franchement, top cette série, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Je regrette de l'avoir pas écouté un petit peu plus tôt, mais franchement, j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur. Ça fait un moment que je n'arrive plus à avoir de coup de cœur, vous savez, en lecture, c'est très compliqué. Mais vraiment, j'ai adoré, j'ai aimé cette fin, j'ai été surprise à chaque fois. Enfin, franchement, nickel, top, je suis extrêmement contente. Donc vraiment, là, je comprends l'engouement qu'il y a eu autour de cette série. Sinon, et ma autre lecture, hier soir, j'ai commencé du coup Le Chant du Loup, le tome, c'est donc le tome 1 de la saga Le Clan Bennett, et c'est de T.J. Clune. Alors j'ai lu... pas beaucoup, j'ai lu 25 pages, mais j'aime déjà bien la texture des pages et je la trouve incroyable. C'est tellement doux, je sais pas, j'aime trop. Et la couverture, elle est un peu étrange, elle accroche légèrement, vous voyez. Ça fait un peu comme le bouquin Caleb, je sais pas si vous aviez lu la saga. Moi j'avais lu le tome 1, je crois. J'avais pas trop aimé, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, ça fait, je sais pas, ça s'accroche, c'est mat et ça accroche, et ben donc voilà. Donc pour le moment, on en est qu'à 25 pages, mais je suis... ça se lit tout seul. Enfin vraiment, T.J. Clune, son écriture, le gars, c'est...
je sais pas comment il fait, mais c'est pareil, c'est du petit lait, quoi, ça se lit tout seul, donc bon, je pense que ça va être assez vite lu, même s'il fait un petit peu plus de 500 pages, je vais quand même m'y mettre. Mais oui, j'ai dû pas trop lire hier, bon, parce que j'ai lu un peu tard, parce qu'avec Adrien, on a passé 2 heures au téléphone. Je suis rentrée de chez ma sœur, il était un peu plus de 19h, et bon, bah, je l'ai appelé directement, parce que monsieur dit qu'il s'ennuyait, hein, même s'il avait vu son cousin, qui habite du coup pas trop loin, environ à peu près 2 heures de route, de où on va être. Enfin, du coup, de où il est actuellement. Du coup, ils ont été au restaurant à midi, tout ça, et puis ils ont traîné un peu sur les plages, tout ça, l'après-midi. Une fois qu'il est rentré, bah, monsieur, il s'est un peu fait yèche, hein, tu m'étonnes. Donc bon, bah, je l'ai appelé pour dire qu'on parle, tout ça. Donc ça a duré beaucoup de temps. Ah voilà, je crois qu'à 21h, 21h30, je crois que seulement j'ai raccroché. Donc j'ai pas pu regarder mon épisode de Sex Education. Je suis à la saison 2, là. Normalement, je regarde 2 épisodes par soir. Bon, bah, je vais regarder, du coup, hein. Zut, hein. Bon, tant pis, au moins ça me dure un peu plus longtemps parce que je sais pas quoi regarder après. Et du coup, voilà, j'ai lu un petit peu tard. Et ce que j'ai aussi, c'est que là, ça fait 2 jours que je vois flou. Alors j'ai regardé sur internet parce que bah, ça commençait quand même à m'inquiéter parce que je me disais quand même au début, je trouvais que je voyais plutôt bien. Je vois quand même bizarrement mieux de loin que de près. Donc pour lire, c'est un petit peu chiant. Et je me suis dit surtout, peut-être en fait, je fais des activités qui usent mes yeux. J'ai le montage que j'ai fait samedi. J'y ai passé littéralement la journée, parce que je voulais pas vous faire une trop grosse vidéo, finalement elle fait quand même 1 heure et quelques, donc j'espère qu'elle vous a plu. Ça vous plaît quand même, hein. N'hésitez toujours pas à commenter tout ça pour voir, vous savez, l'algorithme, voilà. Et du coup, en fait, déjà là, ça a vachement usé mes yeux, donc je sens que depuis samedi, mes yeux, c'est pas trop ça. Hier, on était allé chez ma soeur, je me suis un petit peu maquillée quand même. Fausse bonne idée, je ne sais pas, mais du coup, j'ai les yeux très, très secs très rapidement. Et du coup, bah, au soir, je lisais, c'était un peu flou. Et là, ce matin, je sens que je vois encore un peu flou. J'ai mon nez qui gratte, ça me saoule, excusez-moi. Donc du coup, ce qui fait que j'ai commencé un peu à m'inquiéter, surtout que j'ai rendez-vous que le 27, du coup, pour mes yeux. Et finalement, j'ai regardé bah, sur internet, j'ai pas eu envie d'aller rechercher les papiers qu'on m'avait donnés. J'ai noté, je sais plus, genre opération PKR, guérison, ou je sais plus trop quoi, enfin voilà. Et bon, je tombe sur un article qui dit qu'effectivement, en fait, le PKR, tu es soit 8 sur 10 ou 10 sur 10 à tes yeux, enfin voilà, à la fin de ton opération, qu'au bout d'une semaine, c'est à peu près tout est à peu près réglé au niveau de l'œil, parce que c'est ta cornée qui se remet en place, c'est un truc qui doit voilà, se refaire, tout ça, donc c'est pour ça qu'on met des lentilles pour faciliter ça, nanana. Sauf que c'est noté qu'après, pendant plusieurs semaines, ta vue va fluctuer. C'est-à-dire que des fois, tu vas être en mode 10 sur 10, et des fois, tu vas redescendre et tu vas commencer à avoir un petit peu flou, tout ça. Ce qui fait que là, bah, je suis en ce moment, depuis 3 jours, dans le presque flou. Ce qui est un peu compliqué. Sachant que voilà, ce que je disais, moi j'ai des activités comme la lecture, le crochet, et qui font que bah, pour les yeux, c'est pas ouf, ça fatigue beaucoup. Sauf que si je fais pas ça, je vais pas faire que des travaux. Enfin voilà, Voilà, surtout qu'aujourd'hui, en fait, je voulais partir à Cultura. Parce que j'ai un monde 15€ à Cultura, donc je m'étais dit, je vais m'acheter un bouquin. Le défi, s'acheter un bouquin. Peut-être 2, oh, on verra. En fait, là, je me sens pas capable de conduire avec des yeux comme ça pour aller jusque là-bas parce qu'en fait, je dois traverser une zone avec des travaux. Et du coup, tu as des textes avec des panneaux et je ne peux pas les lire parce que hier, c'est mon père du coup qui m'a amené. Enfin, on est allé à deux chez ma soeur, c'est lui qui est venu me chercher. Et au retour, bon, bah, il était 19h et il commençait vraiment à. Presque à faire noir, on va dire. Et bah, les panneaux lumineux, je pouvais pas les lire. Je me suis dit, putain, en fait, quand je vais toute seule, qu'est-ce que ça va être? Surtout, bah, là, quand je vais me taper plus de 7 heures de route pour partir en Bretagne, comment je vais faire? Et donc, bah, j'ai regardé, apparemment, ouais, ça dure plusieurs semaines comme ça, où avec le PKR, ta vue bah, fluctue pas mal, en fait. Et bon, c'est normal, faut pas s'inquiéter, donc bon, bah, je continue à prendre mon traitement avec les gouttes et trucs comme ça. Mais c'est vrai que du coup, je commençais à pas m'inquiéter, mais bon, ils te disent de pas t'inquiéter, donc je ne m'inquiète pas, c'est tout. C'est normal. Vous voyez, même là, l'écran, je me vois un peu flou, hein. C'est toujours moins pire, ça se dit pas, mais que ce que j'avais quand j'enlevais mes lunettes, hein, évidemment, c'est beaucoup mieux même. Je vis comme ça, quoi, il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est-à-dire que là, par exemple, la lecture aujourd'hui, on va voir, voilà. Donc, je vais vous laisser là, ça fait une trop grosse intro, sinon, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Oh, mais faut que j'arrête de faire des trucs comme ça, c'est horrible. Oh là là.
J'avais une idée chic, c'était de mettre comme ça et là, tac. Forcément, ça passe pas. Ça pour 5 cm, hein, c'est pas grand chose quand même. Hein. Oh, puis tout tombe ici. Oh, bah, fait yesh. Finalement, bonne nouvelle, comme ça je peux quand même en mettre plus et je peux mettre des mangas à côté. Donc on va essayer de faire comme ça, je crois que j'ai un deuxième carton comme ça, Zamendo. Donc, croisons les doigts. Bon, niveau manga, je me suis débarrassée que de une case. Là, une case. Et un petit peu là. Là, je vois, j'ai redécouvert les Naruto. Donc je pense que je vais les refiler à ma nièce, tiens. Voilà, voir si elle en veut ou pas. Je verrai ça avec elle, faut que je renvoie un message à ma soeur. Les Blue Spring Ride, pareil, je crois que je vais pas les continuer, donc je vais les mettre en vente sur Vinted, donc ça je prends pas. Silent Voice, si je prends. Minuscule, évidemment que je prends. Eden des sorcières, oui, mais qu'est-ce que je mets dedans? Ah, j'ai Degreyman, peut-être que Degreyman ça peut passer en mode de, un peu. Oh, ça passe. Ah, ça voyage, j'aurais fallu que. Je t'en mets peut-être du carton. J'en ai trop. Ah oui, ça va casser la série, ça va casser la série. Pour vous allez dire, c'est pas très grave, hein, mais. Et du coup, pour retrouver le restant de la série, ça va être chiant. Ah, quoique. Ah, oh, bah non, ouais, j'en ai jusqu'au 24, la merde. Attendez, maybe. Non, là, j'ai trop d'espoir. Non, Juliette, on sait que tu es comme ça, tu es quelqu'un qui fait beaucoup d'espoir. Oh! Attendez. Oh, mais non, du coup, oui, non, ça ne passe pas si je fais ça. Oh, shit. Oh, merde, merde. Oui, ben là non plus, en fait, du coup. Quoi qu'il arrive, ça, je peux pas le mettre, quoi. Oh là 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 là. Qui est vrai? Bon, moralité de l'histoire, n'achetez pas de BD et de manga si vous déménagez souvent. Si vous n'êtes pas propriétaire, en fait, c'est tout. Hein. Je n'en achète plus tant que je suis pas propriétaire. Je déconne. On va prendre autre chose, parce que ça me saoule de péter la série. Voilà, j'ai rien à mettre dans l'ordre en plus, donc ça va être chiant aussi, mais c'est pas grave. Allez, vas-y, qu'on passe du 10 au 14 et ainsi de suite, c'est pas grave. Voilà, oh bah y'a 11 devant, d'accord, ouais, et bon, bah voilà, tac. Super, zoupa. Allez, les Ranma. Je sais pas les Ranma, qu'est-ce que j'aime bien les Ranma quand même. Allez, je les prends. Beyond the Clouds. Voilà. Vous savez, moi, ça fait des séries entières. On est bien psychologiquement, on est bien. Petite série. Est-ce que l'Éden des sorcières pourrait passer comme ça? Tranquillement. J'en ai trois. Et mettre les deux là. Oh, ça passe, ça passe. Bon, faut juste que je mette du carton pour bloquer le milieu. Ouf. De la mousse. Oh putain, j'ai levé un nuage de poussière en faisant ça. Bad idea. Je vais faire ça, je pense. Après tout, il l'a acheté sa mousse, faut bien qu'elle serve. Hein. Bon, normalement, c'est pas pour ça. C'est de la mousse acoustique. Acoustive, Ça fonctionne pas. On peut chercher le mot qu'on veut, ça fonctionne pas. Ok. Et ben, il faut que je coupe pour remettre un bout là. Et comme ça, ça voyagera pas, quoi. Ça va être bien. Ou alors je laisse comme ça, et ça voyage pas. Oui, voilà. Bon bah maintenant, une tonne de colis, mais au moins, c'est emballé. Bon, on va faire les mangas du coup, hein, puisque maintenant on a fini les BD. C'est parti. Ça n'empêche, ils sont bien ces cartons. Des petits cartons, mais ils sont vraiment pile poil pour les mangas et comme ça, ça te peut en avoir plein et pas trop lourd. Bon, malheureusement, il me reste que deux après celui-ci. Mais certains qui avaient acheté ça, parce qu'à un moment, ils revendaient beaucoup ces figurines sur internet et du coup, ils avaient acheté des cartons sur Amazon, je crois, si tu fais de conneries. Et du coup, on en a, donc c'est cool, même si on en a plus beaucoup, c'est pas grave. Hop. C'est quand même bien pratique d'avoir un homme qui dépense ses sous pour un vieux bourrin. Enfin, je déconne, c'est pas du tout pratique d'avoir un homme qui dépense ses sous. Mais bon, des fois, c'est utile. Ça a dit, je ne prenais pas. Degreyman, bon, c'est tout, c'est pas grave. J'ai décidé que c'était. Ça péta partout, c'est pas grave. On en aura par-ci par-là, hein, puis c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est la vie que j'ai pas décidé de mener, mais c'est la vie quand même. Alors attendez, est-ce que... Ah, là, ça... Comme ça, et peut-être encore un là ou pas.
Là, c'est peut-être possible. Blablabla. Par contre, celle-là, faut mettre quelque chose aussi. Oh, super, le voisin a décidé de tondre comme tous les 3 jours. C'est génial, merci. Bon, par contre, on a eu un petit dégât des eaux, c'est-à-dire que je suis maladroite, vous le savez. Et comme bien souvent, j'ai renversé ma gourde et c'est parti sous le meuble où il y avait les cartons. Donc voilà. Vous aussi, vous avez un voisin céréal... Comment on peut dire? Céréal tondeur. Alors, mieux qu'il soit ça que céréal killer, hein, c'est sûr, hein, mais bon. L'état de sa pelouse est dégueulasse. Alors, il n'y a aucune métaphore, hein, je parle vraiment de la pelouse de son jardin. Non, j'assume pas. On n'assume pas. On va mettre de la musique, hein, ce sera mieux. Bon, bah, du coup, il reste ça, niveau manga. Donc, bon. Comme je disais, Lovely Complex, je vais les donner, je pense, à ma nièce. Voilà, j'en ai une autre partie ici. Les Naruto aussi, je vais donner à ma nièce. Blue Spring Ride, je pense pas qu'elle aimera. Fruit Basket non plus, je pense pas. Et ça, bah, j'ai bien aimé, mais bon, bah, c'était pas voilà quoi, c'est juste 2 tomes. Donc je pense que je vais revendre ça plutôt sur Vinted. Et ça, je le prenne pour emballer. C'est que. Il y avait de la poussière, hein. Et il me reste encore à faire le dessus. Petite caisse à housse. Mais voilà. Ce meuble-là, on va pas le démonter parce qu'il est tellement vieux que j'ai peur que juste on puisse pas du tout le remonter après. Mais je l'aime bien. C'est un meuble à linéa. Je sais qu'il y en a d'autres ailleurs, je suppose qu'à Ikea ou je ne sais où tu peux en trouver. Mais celui-là, je sais pas, je l'aime bien. Il y a des petits pieds, il est bien. Pour mon manga, il est pile poil. Petite astuce. Astuce nulle, je suppose. Je vais démonter ce superbe meuble où il y avait toutes les figurines, tout ça. J'en ai encore... Bah voilà quoi, j'ai ça aussi encore à faire. Je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui, on va déjà tester celui-ci toute seule. L'astuce, c'est évidemment si vous savez que vous restez pas longtemps où vous êtes et que vous avez acheté des meubles, gardez les notices de montage. Non, parce que là, franchement, si je l'avais pas, je pense que. Bah déjà, je vais voir à l'envers, je vais la lire à l'envers pour voir ce que ça donne. À voir si tout seul j'y arrive. Vraiment là, je. Je suis solo. Donc voilà, juste petite astuce qui n'est pas une astuce, qui est juste simplement du bon sens. C'est-à-dire que là, vraiment, dans ce meuble-là, on a un tiroir, là, vous le voyez, qui est rempli de trucs de montage et de sachets avec des vis, avec des trucs que j'ai toujours gardé, tout ce qui restait des... Je le sentais, je savais qu'on n'avait pas resté 36 000 ans ici. Voilà. Allez, je vous laisse. Moi, je vais essayer de démonter ça. Si je reviens pas, c'est que je me suis fait écraser par le meuble. Bon, finalement, meuble besta. Best meuble à démonter. 2 minutes, littéralement 2 minutes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les petites vis là qui dépassent. Parce que par contre, ça, si j'enlève, comme c'est du mélaminé, c'est du faux bois, hein, enfin voilà, c'est du IKEA. On pourra pas, je pense, bien visser dedans. Ça va fissurer ou quoi que ce soit. Vous voyez, parfois, j'ai des moments de faiblesse. Je vais te pleurer, mais... C'est à cause d'un geste super gentil, en fait. C'est un truc tellement court, en même temps, ça m'enlève un poids. En fait, depuis hier, j'arrête pas de regarder quand même pour la location des camions. Et du coup, je voulais prendre sur le site dont je vous avais parlé, City Drop, où tu fais juste un aller simple avec ton camion et tu le déposes dans une ville près de chez toi. Et donc, on pouvait le déposer à Brest, nous, donc c'était bien. Sauf que je regarde aujourd'hui et le prix a augmenté de 300 euros. Donc bon, je leur ai envoyé un mail pour savoir comment ça se fait. Enfin, c'est pas normal pour moi qu'un prix augmente comme ça pour une camionnette. Enfin, voilà. Et ils disent, bah oui, mais c'est selon la loi de l'offre et de la demande. Je bah super, du coup, ils m'offrent un code promo quand même. Je sais pas de combien il est, j'ai un code promo, super. J'en parle à Adrien, il dit que bah quand même, putain, 300 euros en plus. Enfin, on roule pas sur l'or, un déménagement, c'est que ça coûte cher, mais c'est compliqué. Et du coup, finalement, là, toute la journée, on a réfléchi à comment faire tout ça. Et là, tout à l'heure, je vais sur Leclerc, et finalement, je vois que Leclerc, même en faisant un aller-retour, c'est moins cher que juste prendre le truc pour l'aller. Je me dis que, de toute façon, en fait, les parents d'Adrien vont nous accompagner. Donc, déjà, c'est déjà super gentil à eux de faire ça. Et c'est eux qui vont conduire, en fait, la camionnette.
pendant que moi je vais prendre ma voiture. Finalement, Adrien ne remonte pas parce que ça sert à rien, il va se taper 14 heures de route en fait en même pas 2 jours. Donc on se dit ça sert à rien en fait qu'ils viennent. Donc je vais avoir de l'aide de leur famille, j'ai normalement aussi mon père qui va venir m'aider le dimanche. Donc on prend la camionnette le... Enfin, ils prennent du coup la camionnette, parce que c'est ça, je regardais avec eux et sa mère elle m'a appelé pour m'annoncer ça. Et donc finalement, moi je voulais prendre la camionnette, ben, on s'est dit au Leclerc, je vais le prendre pas loin d'Arras, il y en a un. Et du coup je demandais à mon père s'il pouvait le ramener au soir. Alors normalement il ferme son magasin à 19h, mais mon père je l'appelle, il me dit bah il y a pas de souci parce que c'est 19h maximum Leclerc pour aller récupérer la camionnette. Il me dit bah c'est pas grave ce qu'on fait, c'est pas grave, je ferme le magasin plus tôt, je le ferme à 18h. Je vais chercher la camionnette, puis je dis ouais, puis moi je te ramènerai quoi. Puis ben c'est tout, elle dort ici dans la rue le samedi soir, et puis le dimanche, voilà, tout le monde vient, on charge le camion, et puis bim, on y va. Et puis finalement, là, enfin on n'arrêtait pas de s'appeler avec Adrien, de trouver des messages. Un fouillis, mais je vous jure, mais j'ai une pression du coup à cause de ça, une pression. Je me dis, si tu choisis pas le bon, si tu choisis mal, tu vois, ça peut être. Enfin voilà. Et finalement, il me dit, bah j'étais en train de faire du coup la réservation pour le Leclerc pas loin de chez moi et tout ça, je commençais à taper les trucs, tout ça. Et puis il me dit, ma mère elle va t'appeler. Je dis, ah ok, bah voilà. Et puis finalement elle m'appelle, puis elle me dit, du coup je lui explique un peu le truc, parce qu'elle me dit, Adrien il me dit plein de choses, mais je comprends pas, il m'explique mal, tout ça, ça va pas, ce qu'il dit c'est pas cohérent. Je fais, ok d'accord, du coup j'essaie de lui expliquer un peu moi ce que je voulais faire, puis elle me dit, bah non Juliette, parce qu'en fait si nous on ramène la camionnette, on va refaire en fait une heure de route par rapport à... Ok, nous on habite et par rapport à eux ils habitent. Elle dit on va refaire une heure de route en plus. Elle dit donc non, ce qu'on va faire c'est que c'est nous qui allons louer la camionnette. Et comme ça on va la ramener, donc on la loue près de chez nous et on la ramène près de chez nous. Je leur dis ouais mais du coup pour votre voiture vous la laissez pas ici à l'appartement, tout ça. Fait bah non, si on la loue on vient directement en camionnette donc c'est bon. Du coup j'étais là, bah oui effectivement oui c'est plus logique. Puis je commence à leur dire merci parce qu'ils nous offrent un frigo, parce qu'on n'a pas de frigo et de lave-vaisselle, comme je l'avais dit. Et en fait, comme la sœur d'Adrien a emménagé il n'y a pas très longtemps, ils leur ont offert pas mal de choses. C'est ça qu'ils avaient dit qu'ils allaient nous offrir aussi des choses, du coup, pour eux c'est équitable et c'est normal. Et donc déjà, un frigo, c'est pas rien, ça coûte cher. Donc Adrien a eu le choix de choisir un frigo. Bon, on a pris quelque chose de basique, mais de bien quand même, hein, ça Samsung, tout ça, donc voilà. Et puis là, elle me dit, mais de toute façon, c'est nous qui vous louons la camionnette, c'est nous qui payons, donc c'est... Parce que j'étais en train de lui dire, bah vous me dites combien en fait par rapport au versement, je vous ferai un virement, tout ça. Elle fait, mais non, Juliette, en fait, on vous offre la camionnette aussi, tout ça. Et j'étais là en mode, merci, mais j'étais là que commençait à couler. Alors je pense pas que ça s'est entendu dans ma voix, mais c'est tout con. Mais je pense que je suis un peu fatiguée. Mais je me dis, enfin, en ce moment, ils font beaucoup de choses pour nous, vraiment. Ils sont super gentils. Des fois, ils sont un peu lourds, évidemment, mais comme tous les parents, t'as envie de dire. Mais ce qu'ils font pour nous, c'est super gentil. Déjà qu'ils vont venir, qu'ils vont faire 7 heures, enfin ils vont faire plus de 14 heures de route en 2 jours. Du coup, dimanche, ils vont dormir chez nous dans notre nouvelle maison. Normalement, ils ont un matelas gonflable où il faut prendre un matelas, ils vont voir, ils vont se débrouiller. Parce qu'elle me disait même, c'est pas grave, sinon on loue un Airbnb ou on loue une chambre à l'hôtel où il est Adrien. Je dis, mais non, enfin on a une maison avec 4 chambres, faut dormir à la maison, quoi. Vous allez pas encore dépenser des sous. Parce que les connaissants, ils vont vouloir payer forcément l'essence du camion, enfin. Donc voilà, juste je pleure, là je suis émue. Parce que les gens sont gentils. Soyez gentils avec les autres. C'est pas que pour l'argent. Hein. C'est vraiment juste. Pardon, ça fait du bien. Je vais vous laisser là, sinon ça part en chiotte. Vous allez rien comprendre à ce que je vais dire, mais juste voilà. Ma belle famille est très gentille. C'est bon, je me suis calmée. J'ai fait un peu d'enduit. Je vais vous montrer ça un petit peu. Ça va mieux. Ça va, mais ça, c'est quand t'es tout seul. Là, tu sais, de suite, tu fous les émotions. Mais c'est vrai que les gens ils sont gentils avec moi, je veux dire, j'ai même appelé mon beau-frère pour qu'il se déplace, il me disait oui, il m'a ramené des cartons, j'ai ma mère qui m'a ramené des cartons, j'ai du papier bulle, enfin les gens sont gentils vraiment, dimanche mon papa il vient m'aider aussi pour le déménagement, enfin dimanche, pas dimanche là, mais enfin vous voyez, donc les gens sont gentils et oh, je vais me remettre à pleurer, enfin bon je vous montre ce que j'ai fait, c'est horrible, mais c'est que du, c'est pas censé être une sous-couche, mais on dirait que ça fait une sous-couche et c'est pas sec sec, je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait là, j'ai bossé. Mon bras, regardez ce bras droit, incroyable comparé au bras gauche. Je sais même pas le contracter le bras gauche, je sais pas le faire. Vous savez faire ça vous? J'y arrive pas. Ah bah vous verrez rien. Et bah si vous voyez rien, c'est que c'est bien fait. Non, si on voit quand même que là, vous voyez, là c'était les zones que j'ai pensées, j'ai repassé tout dessus. Du coup, il va quand même falloir que j'achète une peinture blanche pour remettre tout là. Et là, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai remis une grosse couche de sous-couche, on va dire, dessus. Ça va sécher un petit peu. Ah mais quand ça sèche, ça se voit. Faut que j'en mette une deuxième et après on remettra du blanc que je n'ai pas encore acheté. Donc bon, c'est-à-dire que bon, bah ça, c'est devenu ça.
Et de base, comme je vous disais, c'était ça. Donc voilà les gros pâtés que Adrien me fait. C'est ma main que je dois gommer. Enfin, plutôt... Là. Alors celui-ci, je sais pas comment je vais faire, parce qu'il faut que je fasse une ligne droite. Ça va être épique. Là, ça va être épique, la peinture, vraiment. Mais bon. Du coup, il m'en reste encore là, et puis... Encore un peu derrière. Là, il faut que je fasse vraiment. J'ai pas du tout, comment dire, poncé. Et puis bon, bah là, il va falloir que je remette finalement de l'ordre du partout. Ça va pas du tout. Faut que j'enlève le PC aussi, ça va être... C'est rigolo. Non, mais au moins, ça me fait passer le temps. Et par contre, j'ai eu un petit peu peur, parce que là, du coup, la mère d'Adrien me disait que quand on a emménagé ici, c'est son oncle qui nous a prêté son camion. C'est pour ça qu'on n'avait pas du tout eu à louer de camion, c'était super sympa. Et en fait, il l'a pu, son camion. Et moi, du coup, je voulais savoir c'était à combien de mètres cubes, parce qu'en fait, on avait eu le camion, il était blindé. Alors, je pense qu'on l'avait pas très bien rempli non plus. Et pas très très bien rempli. Mais nous, ensuite, on a dû revenir avec une autre petite location Leclerc quand même. Peut-être un 7 mètres cubes si je dis pas de conneries, et on a pris mes affaires à moi dans mon appartement, enfin voilà, alors qu'on avait pris quand même un petit peu à moi avant, hein, avec ceux d'Adrien dans le grand truc, mais là du coup c'était un 20 mètres cubes, et Adrien me disait oui c'était un 15 ou un 12, oh, c'est quand même petit, tout ça c'est bizarre, parce qu'il y avait une grosse camionnette quoi, et en fait non, bah, comme d'habitude Adrien s'est totalement trompé, hein, alors qu'il a demandé à ses parents, alors je comprends pas comment ils ont pu faire, voilà, et là que j'ai eu sa mère au téléphone, il me dit bah non, c'était un 17 ou un 20, quoi qu'il avait. On va prendre un 20, hein, parce que c'est chaud quand même, hein, du coup. J'espère que tout va rentrer, du coup. Il y a des meubles que je voulais pas démonter. Je pense que je vais quand même devoir les démonter. Moi, j'ai peur, c'est bah, mon meuble là, qui est juste en face de moi. Le meuble là. Parce qu'il a plus de 15 ans, et quand on l'a déjà monté pour ici, c'était... C'était que le faux bois avait vécu, quand même. Bon, en même temps, il a été enfermé 10 ans dans le... Oh, presque, au moins 7 ans, dans le garage de mes grands-parents. Et l'autre qui me fait extrêmement peur, c'est celui-ci, c'est celui de la cuisine. C'est celui-là, parce que je me souviens que quand on l'a monté, on a un peu galéré, donc ça démonter toute seule, je vais... je vais aussi, je pense, galérer, ou alors soit je vais essayer de voir pour si mon père peut venir m'aider à le démonter. Ça pourrait être pas mal. Qu'il vienne ici un dimanche, ou un lundi, comme il veut, comme il préfère, et qu'on démonte ce meuble-là ensemble, et peut-être celui de la télé aussi. Qu'il y a un maximum de trucs, de que ce soit juste des planches et des cartons. Puis ça aussi. Finalement, il faudra quand même que je les démonte, à mon avis. Hein. J'ai tellement peur que tout ne passe pas. C'est pas grave, on sait qu'on peut les laisser, pas ici. Mais qu'on a de la famille, et voilà, au pire, qui peut venir en vitesse et prendre un petit peu des choses, mais pas des gros trucs non plus, quoi. Ils sont pas des camionnettes, ils sont pas des fourgons. Ils sont peut-être des trucs que tu mets à l'arrière de ta voiture, là, des remorques, mais c'est le maximum qu'ils ont. Donc c'est pour ça que là, je me dis vraiment, en fait, moi qui voulais pas. Tout démonter, falloir tout démonter, quoi, vraiment. Donc bon bah voilà. Aujourd'hui j'ai un peu lu, mais je vous en reparlerai peut-être plus demain. Ce sera mieux, parce que là je serai moins en mode travaux. Je suis éclatée, vraiment. Je suis éclatée. On est mercredi, il va être 17h, je pense, ouais. Je viens de rentrer de chez ma sœur. C'est bien, en fait, du coup, on a parlé, tout ça. Excusez-moi, je vous baille à la tronche, vraiment. Mes yeux, je ne vois toujours pas net, donc quand j'ai conduit... Puis maintenant, alors pour aller, ma sœur habite sur le côté de l'île. Pour aller sur l'île maintenant, mais... C'est de la merde. Hein, soyons honnêtes, c'est de la merde. C'est-à-dire que on a des voies un peu comme... Je crois que c'est peut-être sur Paris, c'est ça? Oui, si j'ai souvenir, je crois qu'il y a eu ça à Paris. Quand j'y suis passée, c'est des voies régulées, en fait. Donc, tu as une vitesse régulée, donc tu as des panneaux lumineux, tout ça. Donc déjà, moi, faut que je sois peut-être 5 mètres du panneau pour réussir à le lire. Hein, parce que tout ce qui est vraiment lumineux, en fait, mes yeux, c'est mort. Là, je me rends compte que pareil, dans le retour, finalement, je me vois pas si nette que ça. Donc, je pense qu'en ce moment, j'use un peu trop mes yeux. Donc, il faut que je me calme, mais sauf que ben, j'ai envie de lire, j'ai envie de faire des trucs, forcément, je suis toute seule, donc j'ai pas juste envie de. Voilà. Bon, je vais peut-être essayer de faire une sieste après, on verra. Mais ouais, c'est un peu compliqué de pas utiliser tes yeux. Ah mais je continue à mettre mes gouttes, tout ça, donc bon, voilà. Mais j'ai extrêmement mal dormi. Et j'ai oublié de passer à la pharmacie. Ah, je vais peut-être passer à la pharmacie, tiens, au lieu de faire une sieste. Ah mais les travaux, j'ai pas envie de passer devant les travaux à pied, je voulais y aller à pied. Bon, demain, je vais faire des courses. Oui, parce que du coup, j'ai Moodstock qui me disait, par rapport à ce que je vous avais montré, le bromazépam, évidemment, je ne le prends plus.
C'était vraiment juste le premier et le deuxième jour, enfin premier et deuxième soir, alors que j'en ai pris un petit peu, la moitié à chaque fois d'un, de prendre plutôt de l'homéopathie. Alors moi du coup j'irai plus vers les fleurs de Bac. J'en ai jamais pris, je sais que ma soeur en a pris, ça je voulais lui demander si ça fonctionnait bien ou pas. Et je sais pas, par exemple pour le stress c'est plutôt connu tout ça, donc je vais voir demain à la pharmacie s'ils en ont, ou ce qu'ils me conseillent. Juste pour le soir, parce que des fois c'est bizarre, genre je dors, ou je commence à m'endormir, et bon, vous savez, je suis quelqu'un de très stressé, et je sens que mon cœur, aucune raison, bim, boum, 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 il commence à s'emballer, et du coup, ça me réveille, et je suis en mode, y a rien en fait, y a absolument rien, pourquoi? Et en fait, je sens que mon cœur, en fait, mon cœur est stressé. Alors, je sais que je vis pas une situation incroyable, elle est pas non plus hyper compliquée, enfin, je veux dire, je suis quand même juste en train de déménager, seule, chez moi. Voilà. C'est pas très fun, hein, quand on le dit comme ça. Mais, enfin, je veux dire, je suis pas deux doigts d'être à la rue, je suis pas, enfin voilà, mon corps, c'est mon corps qui stresse, c'est même pas, enfin, je pense que c'est mon cerveau qui envoie des signaux, hein, à mes organes, mais pourquoi, alors que moi, je sais que tout va bien. C'est que, bon, au fond de moi, je vais pas bien, je le sais, mais voilà, quoi, why. Donc je me dis, peut-être avant de dormir, prendre un petit peu de fleurs de Bac, tout ça, ou même dans la journée, des fois, ça peut-être être pas mal. On va voir si j'achète ça ou autre chose, enfin, voilà. Ah, sinon, attendez, en revenant de chez ma sœur, non, même pas. Oui, si, en revenant de chez ma sœur, j'ai Julie, encore Julie, qui m'avait conseillé pour le camion, tout ça, même si finalement on a pris autre chose, qui m'a conseillé, du coup, qui a regardé ma petite vidéo. Avez-vous regardé ma petite vidéo remise à zéro ou pas? Hein? Faut la regarder, hein. Attention, hein. Et mettre des commentaires, hein. Et liker, tout ça, et partager, hein. Si vous voulez que la chaîne elle fonctionne, si vous voulez que je vive au lieu de survivre, elle m'a conseillé ça pour ma plaque vitrocéramique, parce que je vous disais du coup dans cette vidéo que en fait la plaque chauffe beaucoup, elle chauffe pas que au niveau de la zone de la casserole, par exemple tu mets une casserole, elle chauffe vraiment tout autour, ce qui fait que quand la casserole déborde, peut-être des fois c'est juste de l'eau, des fois, enfin voilà, je sais pas, t'éclabousses un peu de purée, enfin voilà, t'as des pâtes qui sortent, parce que comme j'ai dit, je suis devenue une cuisinière maladroite malheureusement, et Adrien bah aussi des fois on oublie, enfin voilà, et du coup en fait autour de la plaque voilà on a des traces et impossible d'enlever, que ce soit avec du vinaigre, du citron, du savon noir, tout ça, j'ai tout essayé, ça ne part pas. Elle me disait que elle, sa seule solution c'était ça, donc je vais tester ça tout à l'heure. Je ne sais même pas s'il faut laisser poser ou pas, attendez que la plaque refroidisse, bah sans blague, pardon. Bon, il faut laisser un petit peu agir, donc je vais tester ça. Bah, les gars, on va tester maintenant, puis on va voir ça, on va faire ça en direct. Bon, écoutez, j'ai l'impression que ça fonctionne pas bien. C'est pas que c'est bon produit que j'ai acheté, faut que je vérifie. En fait, je crois que mes tâches sont trop anciennes. Pourtant, enfin, je comprends pas en fait comment c'est arrivé, parce que franchement, je nettoyais souvent avec, je vous dis, mon savon noir. Le souci, c'est... Je vais pas mettre ça sur la faute d'Adrien, mais il l'aimait bien. Passer un coup d'éponge alors que la plaque était encore chaude. Et en fait, je pense que chez mon père, j'avais de l'induction. Ce qui fait que ça chauffe beaucoup moins vite et ça chauffe un peu plus à l'endroit où il y a ta truc, enfin ton... ta poêle ou ta casserole, enfin voilà, qui est posée. Et du coup, quand ça déborde, si ça déborde, ça n'accroche pas. Et donc, bah, la vitrocéramique, c'est de la merde, hein. Putain, et je crois que si... Enfin, je crois que c'est de la vitrocéramique qu'on a aussi au nouveau truc. Bon, au moins on aura un produit pour nettoyer directement. Bon bah là j'en ai remis un peu, on va voir. Mais je crois vraiment, en fait, t'as vraiment que les traces de brûlure, on va dire un peu, sont vraiment incrustées quoi. Donc tu peux rien faire. Je laisse poser, enfin, j'ouvre vraiment grand la fenêtre parce que par contre je respire du toxique. Et sinon, bah comme je suis allée du coup chez ma sœur, on avait parti manger KFC, donc j'ai pris un petit colonel veggie. C'était bien bon, même s'il n'était pas aussi bon que celui que j'avais goûté la première fois, comme toujours, hein, c'est aussi bizarre chez KFC. Une fois que tu prends un produit la première fois, c'est super bon, genre une fois que j'avais pris le Boss, c'était il y a pas mal de temps quand c'était sorti seulement, j'avais adoré, et après je le reprenais à chaque fois, et j'étais là toujours déçue, je me disais mais faut que j'arrête de le prendre en fait, et là c'est pas mal, mais bon en fait le temps de faire la route, de revenir à la maison, c'était un peu froid forcément, pourtant enfin, j'avais pris aussi à emporter, je trouvais que ça allait, mais en même temps ils ont été extrêmement longs. Donc bah on est quand même passé chez Action, parce qu'au début je pensais que c'était chez Action que le produit était, parce que je suis con. Mais ma mère soeur elle a un grand Action, et du coup j'ai trouvé ceci pour poncer, pour arrêter d'être comme ça là, à tenir les trucs et du coup à me faire mal à l'avant-bras, parce que moi j'ai tendance à me faire des tendinites, des choses comme ça. D'ailleurs j'ai une attelle, c'est vrai que je l'ai pas acheté. Donc je me dis ça, c'est un peu lourd, ce sera mieux pour poncer, hein, voilà. Et
Ils avaient également, alors que j'en avais pas sur le mien, chez le mien, enfin mon action plutôt, de la peinture. Bon alors, c'est de la peinture pour salle de bain et cuisine normalement, mais c'est un blanc mat. Donc je pense que ça devrait suffire, et je me dis au moins pour les prochains, alors ce sera pas sur tous les murs, mais ils auront quelques murs lessivables. Voilà. Non mais c'est vrai qu'en fait, là je sais pas pourquoi au-dessus de quand on fait à manger, il a pas mis du blanc lessivable. Bon ça va, les taches partent avec les éponges magiques, mais bon voilà, du coup j'ai acheté ça. J'ai 5 litres, je pense que ça devrait le faire, j'ai payé ça 13 €. Ce qui est raisonnable comme prix, hein, parce que ça monte très très vite, hein, surtout pour les peintures lessivables. Et c'est du mat, donc c'est cool, donc je vais tester ça, je pense, dans le bureau, dans un coin. On sait jamais si c'est pas le même blanc, si ça va pas. Je sais pas ce que j'en ferai par contre, si c'est pas le même blanc, si ça va pas. Qu'est-ce que j'en fous, je ne sais pas. Mais donc voilà, j'ai acheté ça. Ça va être mon nouveau copain. Il est quelle heure? Alors, il va être 17 h 30. J'ai envie de faire une sieste. Ça se voit à ma tronche là, je crois que j'ai des cernes jusque là. Ouais. Bon, je vais peut-être essayer de m'allonger un petit peu, le temps que le produit agisse. Ouais. Et du coup, demain matin, ce sera enduit. Faut que j'en mette du coup au-dessus du PC, j'ai toujours pas fait, mais c'est qu'il faut que je bouge le PC, j'ai pas la force, j'ai la flemme. Enduit, puis test de peinture du coup, pour essayer de faire au moins tout le bureau. Comme ça, quand le bureau est fait, il est clean, j'entrepose tous les cartons dans le bureau. Comme ça, je peux démonter tranquillement les meubles, et à chaque fois, je remettrai tout dans le bureau. Comme ça, je vivrai pas non plus parmi les cartons. Ça peut être pas mal. S'en sortira-t-on un jour avec ce déménagement? Je ne sais pas. J'ai donc ma belle-mère qui vient de m'appeler pour me dire qu'ils allaient voir pour le camion demain après-midi. Et qu'en fait, ils ont réfléchi. Et c'est vrai que encore une fois, leur idée n'est pas bête. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Au lieu de prendre le camion le samedi soir et de venir ici tout déménager le dimanche matin et partir directement en Bretagne, et tout emménager dans la nouvelle maison, ils se sont dit, bah, on le prend le samedi matin. On vient prendre tous tes meubles, on les met tous dans le camion. Et puis ils vont dormir du coup ici. J'ai fait, mais j'ai qu'un canapé et un lit, comment on fait? C'est là, mais t'inquiète, on prend le matelas gonflable, tout ça, une couette, et puis c'est tout, on dormira dans le salon. Je fais, ok. Et du coup, comme ça, on part directement. On a juste à charger ensuite peut-être mon lit et quelques autres derniers cartons de, voilà, de tout pour se laver, des choses comme ça, hein, vous voyez, donc un sac plutôt. Et charger aussi les petites crottes, là, vous voyez, vous avez vu, ouais. Et du coup, et comme ça, le dimanche matin à 8 h, ben, on est parti pour la Bretagne, quoi. Parce qu'il me dit, ouais, quand même, nous. Ils me disent, ouais, toi, t'auras 7 heures de route, nous, on aura sûrement 8 heures de route, quoi. Je fais, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Donc, on va faire ça comme ça, c'est pas bête. Non, mais franchement, heureusement qu'on est à plusieurs, hein, parce qu'en fait, c'est pas qu'on n'est pas fut-fut, c'est que tu penses. Il y a tellement de choses à penser que ton cerveau, tu sais, il est pris un peu, et que du coup. Tu penses pas logique, c'est ouf. Heureusement qu'ils sont là et qu'ils pensent quand même à des choses comme ça. Quand t'es seule comme ça, que t'as du mal, tu sais, avec Adrien, on a du mal à échanger là-dessus, c'est compliqué, tout ça. Lui, en ce moment, il est quand même fatigué en plus par le taf, alors c'est super compliqué. Donc, on a encore changé, et c'est pour le mieux, donc c'est pas grave. C'est cool. Et ça va être... Non, mais la dernière semaine, ça va être épique. Je vais vous parler de ma lecture en courant. Je suis en train de lire du coup le tome 1 du clan Bennett, le chant du loup de T.D. Clown. Et donc j'en suis à 165 pages quand même. Mais c'est vraiment les débuts de chapitres, les noms des chapitres sont assez short, taille basse, slash, Joe et moi. C'est même pas et moi, c'est et toi, oui. Joe et toi. Voilà. Finalement, je l'ai pris en e-book. Parce qu'il est très beau, déjà j'ai pas envie de l'abîmer, et en fait il est extrêmement lourd. Là on a un petit peu moins de 600 pages, on est un petit peu moins de 600 pages, 592. J'avais pas vu, je pensais qu'on était à 560. Bon bah oui, un petit peu moins de 600 pages, c'est le mot, Juliette. Et du coup ouais, pour pas l'abîmer, parce qu'il est un petit peu lourd pour moi le soir, surtout pour les poignets, je l'ai pris en e-book, comme ça je peux le lire un petit peu des deux. Voilà. Bah écoutez, pour le moment donc je suis à... à cinquième, on va dire, à peu près, du bouquin. Mais j'aime bien. Donc, on est avec Ox, qui est un... Alors, quand l'histoire commence, c'est un jeune homme de 12 ans. Et vraiment, quand ça commence, en fait, c'est juste son père, qui est alcoolique et qui bat un chouïa sa mère, juste s'en va, les quitte. Voilà.
Il annonce ça au petit, sauf que normalement le petit il est pas censé être là, le père le sait pas, il voulait juste partir en secrète, finalement le petit est là, donc bah il lui dit. Oh, il part en disant juste que bon, c'est un peu une merde, hein, voilà, hein, tout simplement. Que son fils a été une merde pas lui-même en tant que parent à partir comme ça, enfin voilà. Puis bon, bah après, les années se déroulent. Et en fait, on est donc dans une région des États-Unis qui est très montagneuse et arborée. Et donc, on est dans un petit village, et enfin, une petite ville, on va dire. Et donc, tout le monde un peu se connaît, tout ça, tout ça. Je sais plus comment ça s'appelle, Anna Creek, la ville. On s'en fout un peu, je pense. Et donc, les maisons sont assez éloignées. Et donc, Ox et sa mère vivent dans une petite maison en bordure de forêt. Il y a une route, et au bout de cette grande route, il y a une autre grande maison. Sauf que cette maison, elle est normalement inhabitée, et de temps en temps, Ox voit de la lumière, voit une voiture, mais il n'est jamais curieux à aller voir. Et un jour, finalement, il va rencontrer cette famille qui revient s'installer là, et des choses vont se passer, et nani, et nanana. En fait, j'aime bien l'histoire. Vous savez que je suis plutôt compliquée en bitlit, moi vraiment j'adore Mercy Thompson, j'aimais les histoires de loups, donc bon, bah là, voilà. Mais en même temps, j'ai toujours une... C'est bizarre d'aimer et en même temps de ne pas aimer parce que le truc du loup, c'est toujours le truc du mâle alpha et du beaucoup d'odeur, beaucoup de. Tu sais, le truc du respect qu'il faut. Enfin, tu vois, ça, c'est des choses qui me perturbent un peu en tant que féministe où tout le monde est égal. Vous voyez? C'est un peu perturbant. Je n'aime pas trop ce côté-là, mais dans la nature, les loups sont comme ça. Hein, voilà, donc j'avais ouvert ma fenêtre, j'aurais peut-être pas dû. Donc, moi, c'est des petits bémols là-dessus, mais. En fait, l'auteur n'a pas vraiment le choix, puisque ben voilà, c'est la nature du loup lui-même, et bon, bah ben là, c'est parce qu'ils sont à moitié humains que ça va changer à ce niveau-là. Mais alors, du coup, la famille Bennett, mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont tactiles. Donc, ils ont totalement adopté Ox, vraiment, et petit à petit, sa mère également. Mais en fait, c'est ça qui me paraît un peu bizarre. Donc, Ox, on nous dit qu'il parle pas beaucoup, que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout extraverti. Il est très grand pour son âge, il est très. Il est large, enfin voilà, il est bien bâti, vraiment. Et du coup, c'est le gars quand même qui s'est un petit peu emmerdé à l'école parce que ben, il ouvre pas assez sa gueule et parce que, enfin voilà. Et du coup, tu as ce personnage comme ça qui est un peu, on va pas dire légèrement mort parce que on est avec lui et donc on l'entend, enfin on le voit parler et tout ça, tout ça. Quand il est passionné de mécanique et son père travaille dans un garage et lui finalement il travaille aussi un petit peu du coup après le départ de son père et il va y travailler après vraiment. Mais tu sens qu'en fait il est bien que quand il est au garage avec les gars et tout ça, qu'il est vraiment adopté, et eux-mêmes sont toujours aussi très tactiles. Alors, c'est peut-être bizarre pour moi, parce que moi je ne suis pas du tout tactile avec les étrangers, juste des fois, je sais pas, même des collègues avec qui je parlais beaucoup, il suffisait qu'ils me tapent dans le dos pour que, tu sais, je réagis tout de suite. Alors bon, après c'est un instinct de survie, hein, peut-être des fois, tout ça, alors que des fois certains pouvaient me toucher l'épaule, ou même juste me prendre un peu dans leurs bras ou quoi que ce soit, il n'y avait pas trop de soucis, c'est vraiment, bon, j'ai des personnes je pense hein, aussi, voilà. Mais là vraiment tout le monde le touche, le tripote, des fois il le renifle, tout ça, et lui il est en mode, bah c'est normal, tout va bien, surtout donc Joe, le petit garçon qui va devenir son meilleur ami, lui il est vraiment, la première fois qu'il le voit, mais... C'est la fête du slip, vraiment. Moi, le gars, j'aurais fait demi-tour, je serais partie en courant, parce que je vois un petit comme ça qui me fait ça, mais je me barre. Donc, j'ai des trucs, tu vois, je me dis, j'aime bien, c'est original. Après, on a les trucs forcément basiques de la meute et du loup et tout ça, tout ça. Mais, j'aime bien. C'est pas mal. Et tu vois petit à petit qu'on n'aura pas non plus que du loup. Donc, c'est bien aussi, on aura un petit mélange. Donc, voilà, je vais continuer ça tranquillement. Sans trop de prise de tête, en essayant de pas trop fatiguer mes yeux, même si j'aime bien lire le matin et le soir. Parce que... Bah c'est super, Juliette, bonne nouvelle. J'espère que vous allez bien. J'ai pas pris la caméra aujourd'hui, on est donc jeudi. Je n'ai rien fait d'exceptionnel en fait, j'ai juste fait les courses ce matin. J'ai un peu lu aussi au matin. Et là, il est bientôt 20h. Oui. Et je vais manger. Et surtout aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est quelque chose qui me paraissait logique. Je me suis dit finalement, est-ce que je viderai pas tout le bureau pour finir le bureau, puisque c'est là où il y a le plus de trucs à faire avec les enduits, la peinture, tout ça, poncer. Et ensuite, comme ça, dans le bureau, je laisse juste le coin où il y a le PC, comme ça je pourrais continuer à jouer après quand j'aurai fini. Et surtout, en fait, je mets tous les cartons, même ceux qu'il y a dans ma chambre, tout ça, on met tous les cartons dans le bureau, comme ça c'est beaucoup plus clean. Sauf que j'ai pas pensé, c'est que bah, le temps de faire les peintures ou les trucs d'enduits ou quoi, faut quand même au moins une journée pour que ça sèche. Et du coup. Bah, du coup, ça donne ça. Là, c'est tous les cartons vides que m'a donné mon beau-frère pour ma bibliothèque, donc je l'ai laissé là pour quand même commencer à remplir les trucs. Ça, c'est collection de Berserk d'Adrien.
son petit lustre. Quelque chose encore, avec un katana au-dessus, évidemment. Bah voilà, du linge qui sèche. Et encore, j'ai enlevé parce qu'il y avait aussi les chaises, tout ça. Je me suis dit, ouais, non, trop pas. Et sinon, c'est repas de la flemme ce soir. C'est nouilles instantanées. J'ai juste rajouté des champignons que j'ai coupés. Et voilà, ça fait un légume avec. La flemme. Puis du coup, pour fêter le fait que quand même, j'ai quand même bien travaillé aujourd'hui, je me suis... petit apéro. Il en reste. J'ai quand même mangé des chips, j'ai mangé des petites carottes avec du houmous. Mais je crois que je me suis servi un petit peu trop de... Qu'est-ce que c'est? C'est mon père qui m'avait acheté ça. Enfin, on est au marché de Noël. Chic-choc, c'est quoi? C'est un rhum épicé. Canadien. Si vous aimez les choses sucrées, c'est pour vous. Si vous aimez pas ça, c'est pas pour vous. Moi, je le... Ça va, je l'aime bien. La première fois que je l'ai goûté, j'étais en mode, c'est trop sucré. Et en fait, ça va encore. Mais moi, j'aime les rhums épicés, c'est pour ça qu'il l'a pris. Puisque moi, je bois du Kraken. Ça fait longtemps que j'ai plus ma bouteille de Kraken. Donc, je pense, emménagement, on va fêter ça, Kraken. Et du coup, bah, j'ai plus que ça. Mais ne buvez pas d'alcool, attention, c'est dangereux pour la santé. Mais je bois des tout petits verres. Quand je dis là, vraiment, j'ai pas bu beaucoup. J'ai peut-être bu à peu près ça, tu vois, de tout le truc. Donc, j'ai versé trop. Donc, je vais finir en mangeant. Oui. Et du coup, je vais regarder un épisode de Sex Education. Je suis déjà à la saison 3. Non, parce que je l'ai commencé quand Adrien est parti. Donc, il y a une semaine et deux jours. Trois jours. Et deux jours, oui. Et j'en suis déjà à la saison 3. Donc, j'essaye de me restreindre à un épisode maintenant par soir. Et ensuite, lecture au lit. Donc, j'essaye de faire ça. Et ce qui fait que vers 21h, 21h30, enfin, je suis au lit et je lis pendant une demi-heure environ. Mais c'est bien, en fait, c'est pas mal comme petite habitude. Donc là, je pense à 21h, je vais être au pieu. Et puis voilà, je suis pas très fatiguée, pourtant j'ai fait pas mal de trucs. Peut-être la fatigue va me tomber après un peu dessus. Mais ben voilà. Voilà. Bon allez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis ben, on se retrouve demain, normalement, pour blablater. Je ne sais pas de quoi, parce que comme je vous dis, en ce moment, je suis en mode travaux. Donc j'avance pas tellement dans mes lectures. Enfin, voilà, j'ai pas trop de choses à vous raconter. Donc... Enfin voilà, sinon si, j'ai testé du coup la peinture que je vous ai montrée là. C'est de la merde, n'achetez pas ça, c'est de la merde, ça s'étale super mal, c'est hyper épais. Le blanc n'est pas blanc, c'est une sorte de blanc cassé, donc ça ne correspondait pas du tout à la couleur que j'ai sur mes murs, donc j'ai dépensé 13€ pour rien, parce que je ne peux pas aller le rendre, puisqu'il est ouvert, évidemment, le truc. Donc voilà, ce qui fait que je sais pas comment je vais faire, pour parce que je ne trouve pas de blanc blanc, du même blanc, pour repasser sur les enduits. Je vais continuer à utiliser finalement ce que mes beaux-parents m'ont donné. Et puis c'est tout, on va faire plusieurs couches. Et puis voilà, sauf que j'ai que des petits rouleaux, j'ai pas des grands rouleaux. Donc au pire, il faudra quand même que j'aille acheter des grands rouleaux. Peut-être demain, je vais tester avec un petit. Et si ça fonctionne vraiment pas, ça prend trop de temps, ce sera un grand. Et puis voilà. Bon allez, là je vous laisse vraiment. Qu'est-ce qu'on est bien coiffé, c'est fou. Bon écoutez, hein, il est 9h, je me suis levée il y a une heure. Écoutez, on va clôturer ce vlog ici, on est vendredi, je suis dans le bureau parce que en fait j'avais prévu quelque chose, c'est-à-dire je voulais faire du montage, le montage de ce vlog ce matin. Oh, j'ai un bouton derrière l'oreille, comment j'ai un mal. Pourtant j'ai pas mis boucle d'oreille. Bizarre. Ce matin parce que demain je sors au soir voir des amis, tout ça, on va manger au restaurant, tout ça, et donc je vais revenir dans la nuit, ce qui fait que je vais rouler dans le noir, donc je voulais pas user mes yeux. Demain matin, vous voyez. Je vais quand même essayer de monter ça aujourd'hui parce que finalement, j'ai mon proprio qui m'a appelé il y a 20 minutes pour me dire qu'on avait une nouvelle visite demain à 14h. Enfin, si j'étais dispo, je lui dis oui, parce que c'est vrai, je le suis, je serai là. Mais du coup, en fait, il faut que je m'active sur tout ce qui est peinture ici parce que vraiment, je voulais faire ça tranquillement cet après-midi. Il faut que je passe du coup deux couches, donc il faut que je fasse une fois au matin et une fois en fin d'après-midi, en fait, pour que ce soit bien demain, ou au pire, au max, pour faire une encore demain matin. Voir un petit peu. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Je vous montre le magnifique travail. Hein. Donc j'ai mis de l'enduit partout où il y avait, vous voyez, les petits scotch double face qu'Adrien avait mis pour mettre ses petites mousses. Là, j'avais mis de l'enduit aussi hier. J'ai remis une couche de gris. Ça c'est trop bien en fait, on a la bonne couleur. Si seulement ils avaient laissé du blanc. À la caméra, ça se voit pas, mais en fait là, tu vois, t'as une tache là. T'as une tache là et là. Ouais, si, ça se voit un petit peu. Vous voyez quand même, il y a une différence de couleur. Et cette couleur là, c'est ce que les parents d'Adrien m'ont donné. Donc il faudrait que je refasse tout le mur. Parce que j'ai que des petits rouleaux. Et là aussi en fait faudrait que je refasse tout le mur. Faut penser bien qu'en compte j'ai qu'une chaise, alors je sais pas si je pourrais aller jusqu'en haut. Parce que là si je fais vraiment un carré comme ça là, le rectangle comme ça là, ça va se voir. Donc je sais pas comment. J'ai déjà essayé de repasser là-dessus et voir avec le proprio s'il peut me donner au pire la marque.
qu'il avait utilisé de la peinture pour que... Ou alors c'est tout, jouer avec lui, que c'est tout, les gars ils vont repasser, et puis qu'ils referont la peinture, faut jouer avec lui demain, comment ça peut se passer, parce que là... Autant ici, de ce côté-là, ça se voit pas, parce que peut-être la lumière est fort proche, je ne sais pas. Mais autant là, comme il y a du un peu d'ombre, tout ça, ça se voit beaucoup, je trouve. Donc bon, ouais, ça fait des petites taches, mais là, ça va, c'est bizarre. Alors par contre, comme je vous disais, la peinture ici, regardez, on a les traces de rouleaux, tout ça, c'est de la merde. N'achetez pas les peintures Action. Non, allez chez Castorama, Leroy Merlin, Brico Dépôt, c'est beaucoup mieux. Donc il pensait faire mes choses un petit peu tranquillement, finalement. Je vais quand même devoir m'activer. C'est dommage parce que le couple de la semaine dernière, je trouve qu'ils étaient bien. Apparemment, ils n'ont pas envoyé les dossiers ou quoi que ce soit. Donc là, ils n'ont pas recontacté le proprio. Donc c'est pour ça qu'il dit, bah non, c'est tout, il y a une visite encore demain. C'est dommage, j'aurais été bien tranquille. J'ai vraiment 2 semaines pour bien faire les travaux. Là, je vais essayer de me dépêcher, on va dire, parce que je me dis, c'est peut-être du coup le fait qu'ils voient qu'il y a de l'enduit partout, qu'ils n'ont pas envie, je sais pas. C'est dommage parce qu'en fait, on est bien dans cet appartement. Nous, en fait, si on avait pu le transporter en Bretagne et juste mettre une petite terrasse, c'était tout, tu vois, tu le gardais, on est bien dedans, vraiment, tu t'y sens bien. Bon, ce truc, c'est que t'es sous les toits, donc effectivement, il fait froid en hiver, il fait chaud en été, donc rajouter une petite cheminée, ce serait bien. Ah, évidemment, mon appartement, ça ne peut pas. Mais franchement, on y était trop, trop bien. Donc, moi, je suis triste de partir. Là, en fait, plus ça avance, plus je suis triste de partir, je vais pas vous mentir. J'aimais beaucoup cet appartement quand même. Et, triste de quitter aussi la famille, tout ça, hein, voilà, hein, mais... C'est comme ça, c'est la vie, faut avancer. En ce moment, j'ai énormément quand même de périodes de doute. Hein. Je me dis, est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est bien, quoi? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est mieux pour nous? Est-ce que ça va nous réussir? Est-ce que finalement, on va se dire, bon, la Bretagne, peut-être c'est cool pendant les vacances, mais pour y vivre, bah, ça, peut-être ça ne nous correspond pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est sûr qu'on va vraiment plus dans un côté de la Bretagne où, excusez-moi, mais c'est un trou perdu, vraiment. Si pour louer une maison, il te faut plus de 3 mois pour avoir un truc, et encore, t'as pas ce que tu veux. Enfin, c'est hyper compliqué, quoi. On se souvient, quand on a cherché ici, je crois qu'au bout de 2 semaines, je l'ai trouvé, l'appartement. Si je dis pas de conneries. On a peut-être mis un mois. On a peut-être mis un mois, mais encore, c'est parce qu'on a fait plusieurs visites ici, on est venu plusieurs fois, puis pour plus, il avait mis un peu plus de temps parce qu'il voulait refaire des travaux, tout ça. Donc, oui, concrètement, on a mis un mois au moment des visites et au moment de signer le bail, quoi, c'est tout. Mais... moi, ça me fait. Cette région-là, du côté de Brest, me fait un petit peu peur. Je vous avoue que moi, vraiment, l'idéal, ça aurait été Quimper. J'aurais vraiment adoré Quimper. Mais c'est doux, c'est comme ça, c'est la vie. C'est déjà bien. On va déjà bouger en Bretagne, donc c'est déjà pas mal. Mais vous voyez, il y a ce côté où plus ça devient concret. Quand il me reste que 2 semaines, en fait. Je pensais 3 semaines. Non, c'est 2 semaines. Et plus le doute s'installe. Mais c'est peut-être la bonne décision. C'est sûrement la bonne décision pour tous les deux. Mais il y a quand même du doute, je pense que vous comprenez mon état d'esprit où bah déjà je suis toute seule, donc c'est compliqué aussi d'interagir avec Adrien parce que bah, c'est que au téléphone, c'est pas tout le temps, quand t'as une idée, bah, faut envoyer SMS parce qu'il est en train de travailler, et puis enfin c'est hyper compliqué de communiquer tout ça. Et puis en plus hier, oui si je vous l'ai dit que finalement ma belle-mère n'a pas réussi, je sais plus si je vous l'ai dit, elle n'a pas réussi à avoir un 20 mètres cubes, elle n'a qu'un 17 mètres cubes par chez elle. Je lui ai dit bah oui mais enfin il y avait Douai. Douai c'est quand même à Leclerc, ça va c'est pas mal quoi, ils auraient peut-être pu, puis c'est sur la route. Je fais ouais mais c'était vraiment en dernier recours, enfin, peut-être le dernier recours c'était vraiment un 20 mètres cubes en fait. C'est dommage parce que de mon côté d'Arras, ils en avaient des 20 mètres cubes. Donc il y a des choses qui à mon avis, genre tout ce qui est figurines d'Adrien, surtout les résines, les gros cartons, c'est ce qu'on va essayer de mettre en dernier dans le camion, parce que si ça rentre pas c'est pas grave, il y a quelqu'un de la famille d'Adrien qui viendra le chercher. Mais voilà, on va devoir faire soit des concessions, soit vraiment un très joli Tetris. Sachant que ma belle famille, surtout mon beau-père, est du genre à vouloir faire les choses extrêmement rapidement. Alors que de notre côté, on fait du côté de ma famille, on est plus genre à réfléchir un petit moment, comment on va faire tout ça, et ensuite faire les choses. On est plus comme ça, on est moins... on a le côté aussi instinctif, mais on réfléchit quand même un petit peu avant. C'est pas le truc en mode on gros bourrin. Et c'est ça qu'on a emménagé ici. Mon beau-père, c'était gros bourrin. Et mon beau-frère. Du côté d'Adrien, du coup, le beau-frère d'Adrien, pareil, il est toujours un peu gros bourrin. Et c'est tout, il suit le beau-père et puis il réfléchit pas. Tandis que là, on va essayer de faire les choses logiquement. Je pense faire déjà au moins un grand mur de carton jusqu'en haut du camion. En premier, dans le fond. Ensuite... Tu vois aussi, j'ai la grosse chaise de bureau d'Adrien. Celle-ci. On peut pas la démonter. Donc déjà, elle prend juste beaucoup de place pour rien. Faudrait que je mette un drap dessus. On pourra peut-être mettre ensuite des cartons dessus. On peut empiler des cartons dessus. Les roues se bloquent pas. Je suis en train de regarder. On dirait que les roues se bloquent pas. Mince.
Bon, faudra la bloquer sans l'abîmer. Voilà, pour la descente des escaliers. Ouais, bon. Enfin, voilà. Voilà, je suis encore en plein doute, hein, on continue. Pourtant, j'étais en mode, c'est bon, toi, je m'occupe plus du camion, un truc comme ça, on a la date, tout ça, déstress. Non, bah non, ça continue. C'est... en ce moment, le... je me suis acheté, bon, je vous l'avais dit, je me suis acheté le petit... Oh putain, puis c'est le bordel ici. Oh là là, faut que je nettoie tout avant demain. Oh, c'est le bordel. Oh là 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 là. Ah bah, je l'ai pas pris. Bah non, il est dans ma... Il est dans ma chambre, c'est bien évident. Bah oui. Oui, parce que j'ai fait aussi les peintures de la chambre, du coup. Vous voyez, tout là, il y a les taches, c'est les taches fraîches. Ah, faudrait que je repasse une couche, là, on dirait que ça se voit. Je vais peut-être repasser un coup de rouleau. Par contre, cette peinture-là, du coup, c'est exactement celle du proprio, parce qu'il avait laissé en bas de l'escalier. Ah, elle va super bien. T'as, tu fais un coup de pinceau, t'as, c'est nickel. Là, je pense que je vais juste refaire un grand coup de rouleau, sur tout le mur du bas. Ça devrait pas prendre trop de temps, parce qu'elle s'applique super bien. Donc, j'ai mon ami, là, en ce moment. Là, c'est mon copain. Je crois que je vais en reprendre un petit peu, là. Je deviens droguée. Non, je déconne, ça c'est sans accoutumance, ça. C'est juste des plantes à la sérénité à portée de main, comme ils disent. Je sais pas pourquoi je parle l'accent du sud. Donc, c'est mon copain, ça. Mon ami, c'est mon copain. Bon, allez, je vais vous laisser là sur ce magnifique plan avec mes fringues et les chaussures d'Adrien derrière. Je vous fais des bisous. Je vous dis. Et bien, normalement, vous avez une vidéo qui arrivera mercredi. Donc, à la semaine prochaine, à mercredi. Je vous fais des bisous. D'ici là, portez-vous bien, lisez bien, faites ce que vous voulez, ce que vous aimez. Bisous.